Wow! Plusieurs fois, cette bénédiction seconde, une fille a filmé la Vierge Marie dans une boîte de nuit. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Allons voir ça. Et les gens pensent que c'est de la blague. Regardez l'écran. Comme vous pouvez voir ici, la Vierge Marie est censée ressembler à ça. Ouais, à ce que vous voyez l'écran là, juste là sous vos yeux. Une femme en bleu ou en blanc, on ne sait pas, mais elle ressemble à une sainte, quoi. Et les gens ont l'habitude de l'adorer, vous voyez, comme la jeune fille que vous voyez là. Et c'était ça. Jusqu'à ce que, juste là, dans la boîte de nuit, une fille filme ça. Pour elle, c'est la Vierge Marie qui vient de faire son apparition. Regardez vous-même et dites-moi ce que vous en pensez. Waouh! Et regardez tout ça. Nous allons aller tout simplement voir la vidéo ensemble. Vous verrez de vos propres yeux ce qu'elle a vu, en fait ce qu'elle a filmé. Est-ce que vous voyez quelque chose? On voit une femme qui est là. On voit une silhouette ici, il y a plusieurs couleurs à l'intérieur. Et ces gens-là commencent à crier, waouh, c'est la Vierge Marie, c'est la Vierge Marie. Écoutez. Vous voyez ça? Quand les gens ont vu ça, les gens ont commencé à dire, oh vous là, vous avez bu, vous êtes saoulés. C'est parce que vous avez bu, vous êtes saoulés, que vous avez besoin de nous embrouiller ma tête là. Mais regardez-vous-même, regardez-vous-même. Quand vous voyez ça, est-ce que ça ressemble vraiment à ce qu'on nous montre souvent dans certaines églises? Genre la Vierge Marie. Et elle vous dit, venez voir, c'est elle. Venez voir, c'est elle, venez voir, c'est elle. Ah, pourquoi dit-elle, venez voir? Pourquoi est-ce qu'elle a tout dit, venez voir, c'est elle? C'est parce que, en général, ça veut dire, c'est parce que d'habitude, quand de tels phénomènes arrivent, les gens courent, pourquoi? Pour aller voir ce qui se passe. Comme ce que je vais vous montrer maintenant. Vous allez voir ça tout de suite. Ok? Bien. Profitez pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Soyez prêts. Maintenant, regardez. On voit ici une silhouette encore. Toujours une silhouette. On voit genre quelque chose ici qui rappelle aux gens la Vierge Marie ou la Sainte Marie. Et quand de telles choses arrivent, les gens positionnent des bougies et des fleurs autour. Parce qu'ils disent que c'est une apparition mariale. Et c'est exactement ça. Comme ce que vous voyez le corps, vraiment, c'est ce qui se passe dans ce monde. Comme vous pouvez le voir, c'est pas de la blague. Qui a dessiné ça? Personne ne sait. Si vous posez la question, vous dites non, 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 non. Ces choses, c'est du surnaturel. Et c'est pas la première fois que ça arrive. C'est vraiment pas la première fois que ça arrive. Comme ce que vous voyez le camp, on voit une femme qui est juste là avec son portable. Et pour elle, Marie est apparue là, ici sur le mur. Vous voyez la silhouette encore? Toujours une silhouette, toujours une silhouette. Vous voyez où? Une silhouette. Elle voit genre la lumière, le reflet, tout ça, c'est dit, oh, c'est Marie, venez prier ici, oh, venez prier, c'est Marie. C'est Marie, oh, je suis béni aujourd'hui, là, je suis béni aujourd'hui, là, tout ce que j'ai dans ma vie à voir. Waouh! Et c'est exactement ce qu'on voit un peu partout dans le monde. Et effectivement, quand ces choses arrivent, les gens accourent pour aller, genre, prier, pour aller, genre, prier. Genre, prier pour que, waouh! En fait, faire leurs vœux quoi. Parce que ces gens se disent que c'est Dieu qui est venu les visiter. Donc il faut en profiter. Les gens courent
placent des bougies, ils se prosternent, les gens vont pour prier, sérieusement et sincèrement, de tout leur cœur, sérieux, hein, de tout leur cœur, ils ne sont pas en train de blaguer vous. Hein. Ouais, là, elle a positionné sa main juste là où se trouve la silhouette encore. Et elle est en train de prier, elle est en train de vraiment prier, quoi, prier Dieu. Pas cette silhouette qu'elle voit ici, pas Marie. Et quand on voit ici encore, on peut voir que c'est pas la première fois que ces choses arrivent. Hein. Ouais, vous voulez nous montrer ça aujourd'hui. Regardez. On voit encore une silhouette, une autre silhouette. Genre ici, on voit une silhouette. Les gens disent que cette silhouette, c'est genre l'apparition de Marie, quoi. Dans une église catholique, comme vous pouvez le voir. Vous voyez? Ah! Vraiment. Et on voit souvent, on a déjà vu des statues pleurer. Des statues genre pleurer le sang. Les gens disent que, oh, c'est Marie qui est fâchée. Marie est vraiment fâchée. Elle pleure, elle nous demande son amour. Oh, son amour pour nous. Ouais, ouais. Et regardez ça. J'en coule les larmes et c'est le sang qui coule, qui sort, quoi. Voyez-vous? Aïe, 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 aïe. Jesus is Lord. Et les gens y croient. Et un peu partout dans le monde, on assiste à de tels phénomènes. Voyez-vous? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Ouais, c'est ça la réalité. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'en pense? Laissez-moi, je vais tout vous dire. Bien, mes frères et sœurs, moi, franchement, je n'y crois pas. Moi, je ne crois pas à de telles choses. Il faut que je sois honnête. Il faut que je sois clair. Il ne faudrait pas que je vous mente. Moi, je crois à la source. Ouais. Quand je cherche quelque chose, je vais à la source. Et la source, moi, c'est Dieu. Maintenant, si on nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est décédé, il a été ressuscité et tout ça, moi je crois aussi. Parce que, par le nom de Jésus-Christ, j'ai vu beaucoup de miracles dans ma vie. Peut-être que vous, par le nom de Marie, vous avez eu beaucoup de miracles dans votre vie. Vous aussi, c'est ce que vous pensez. En tout cas, moi, à mon humble avis, hein, si on veut chercher un truc là, alors à la source, c'est mieux. Tout ce qui se trouve autour, comme les images, les apparitions ici, les trucs où on va même s'asseoir pour prier là, ça là, ça vous rappelle quoi? Qu'est-ce que ça vous rappelle? L'idolâtrie. Ouais. L'idolâtrie. Dieu lui-même, dans sa parole, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il nous a interdit de faire des représentations de lui, là. Genre des images de lui. Il dit même de ne pas nous prosterner devant les têtes des statues, devant les images, de ne pas faire de telles choses parce que ce sont des choses où il ne se reconnaît pas. Maintenant, vous avez votre Bible. vous avez votre Bible. Vous savez ce qui est écrit là-dedans. En tout cas, moi, ce que moi je sais là, c'est que Dieu, c'est un esprit. On ne peut pas le toucher. Ton voisin ne peut pas aller prendre de l'argile pour fabriquer, comment on appelle ça, un bois ou bien un caillou. Et puis, il te dit, oh, viens, c'est Dieu, c'est par ce caillou-là tu pourras passer, rentrer pour voir Dieu. Ah, un truc que lui-même s'est fait avec sa propre main. Hey, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'on ne vous trompe pas. En tout cas, moi, on ne peut pas me tromper à ce niveau, on ne peut pas me tromper. Je suis désolé, je suis même désolé. Ouais, je suis désolé. Même si je m'envoie de la bonne nourriture, je vais dire la même chose, mon frère. Il faut que je sois honnête, il faut que je sois vrai avec vous. S'il y a bien quelqu'un qu'il faut adorer, c'est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire, si vous aimez bien le Seigneur Jésus-Christ, gardez ses commandements. C'est-à-dire, la Bible que tu lis là, les 10 commandements, Dieu dit ne fais pas du mal à ton prochain, aime ton prochain comme toi-même. C'est ça là, c'est à ça que tu dois t'accrocher. Tu dois t'accrocher à ça parce que ça ne sert à rien de venir comme ça, ouais, se poser au devant tout. Et puis après, c'est devenu hypocrite maintenant. La jalousie dans l'église, il faut les voir s'insulter eux là-bas, ouais. Même la sorcellerie, il y a même des sorciers qui se cachent dans les églises, ouais.
Les sorciers sont remplis dans les églises aujourd'hui. Et ils prient plus que nous tous. Mais ce sont des sorciers. C'est qui intéresse Dieu là? C'est pas que vous venez vous prosterner toujours devant lui pour dire Oh Dieu, tu es joli! Oh Dieu, tu es beau! Tu es trop joli! Ou bien c'est pas que vous venez devant lui pour lui dire Oh Seigneur, je veux ça! Dieu, je veux ceci! Ou Dieu, je veux ça! Dieu recherche les gens qui sont obéissants. Et si vous êtes obéissant, vous allez juste lire la Bible, lire la parole de Dieu, découvrir les 10 commandements de Dieu, ce que Dieu déteste. Et vous allez tout faire pour être en règle avec lui. Par rapport à quoi? À la parole de Dieu, ouais. Dieu dit, il y a le bien, il y a le mal, choisis le bien. C'est tout. Les détails comme ça, venir se poser, oh, comme ça, comme ceci. Ah, mon frère. Ma soeur, si tu veux prier, là, ferme tes yeux. Et dis, Seigneur, dans ton cœur, hein? Dis, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Ouais. Pardonne-moi mes péchés. J'ai trop péché. Je suis fatigué. Tu parles comme ça. Dieu t'a déjà entendu en même temps. Dieu t'a déjà entendu. Même le sorcier qu'elle a là, il est derrière le mur, derrière le mur. Et puis vous êtes ici. Tout ce que vous vous dites dans votre tête là, dans votre esprit là, même si vous avez ouvert la bouche, lui il entend. Si le sorcier peut faire ça, et Dieu lui-même. Avant que tu l'as dit dans la Bible, avant que tu ouvres la bouche, lui, il a déjà entendu ce que tu veux lui demander. S'il doit t'exaucer, il a déjà fait. Il n'a pas besoin de gymnastique pour pouvoir rencontrer Dieu là. Tu n'as pas besoin d'aller voir Mamie Adjoa ou bien d'aller voir Monsieur Joseph Dibé. Monsieur, je sais pas quoi, ou me passer par tout un tas de personnes, ou me passer par un pasteur. Si tu veux qu'un pasteur t'aide, le pasteur peut t'aider à apprendre à prier. Comment il faut prier, comment il faut avoir la foi, qu'est-ce que la foi, il va t'expliquer, il va juste t'expliquer. Mais toi, tu dois mettre en pratique quoi? La parole de Dieu. Un gars dit à Jésus-Christ, oh, c'est comment Jésus? Tiens, toi, tu es un vrai gars, tu es un bon gars, tu es un homme juste. Il dit, oh, écoute, personne n'est juste ici, sinon Dieu seul. Personne n'est juste, sinon Dieu seul. Mais le Seigneur, lui-même, il cherche. Il dit Dieu, il dit Dieu, il dit Dieu. On va tous chercher Dieu. Ouais. En tout cas, moi, je cherche Dieu. Pour régler un problème, va à la source, mon frère. Va à la source, ma soeur. Tout ce qu'il y a autour, là, laisse tomber. Les histoires de chapelet. L'histoire de bougie, l'histoire de parfum, on doit se parfumer. Ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire, ne le fais pas. Moi, je te le dis. Sinon, là, tu vas devenir sorcier et sorcière sans t'en rendre compte. Ouais, c'est pas de la blague. Mais regardez. Et vous vous rendez compte que la femme, elle est sincère, elle vient pour prier sérieusement, elle vient pour exposer ses problèmes. Je la comprends. Mais le peuple de Dieu, par manque de connaissances, périt. Voilà. Même le diable peut apparaître comme ça. Il peut apparaître comme ça. Il peut faire pleurer une statue. Ce n'est rien, ça, ce n'est rien. Si vous voyez ce que les démons font, hein, non, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous allez arrêter. Oui. Le futur chapelet, toi, c'est un chapelet. Tu vois où? Le futur a ses génies là-bas, ses bois, ses cailloux. Toi, si tu as ta statue. Où est la différence? Quand vous voyez que ce que se passe dans l'église ressemble à ce qui se passe chez les Bamiwata, faites attention. Faites attention. Il y a le diable derrière. Dieu, c'est la lumière. La lumière et les ténèbres ne vont jamais se ressembler. Jamais. Vous êtes ouvert même dans quoi? Hey! Je vous dis encore, moi, c'est ce que j'en pense. C'est un sujet qui divise, mais il faut que quelqu'un vous dise la vérité. Ma soeur, laisse tes statues, tes dieux statues. Mon frère, laisse tes chapelets. Viens te prosterner devant toi, devant Dieu. Mets-toi à genoux, sincèrement. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu la Bible, la parole qu'elle a, la parole. Tu dis, n'est pas tueuse, mon prochain. Là. À partir d'aujourd'hui, moi, je ne tue plus personne. C'est ce que Dieu attend de toi. Si tu fais ça et que tu demandes quelque chose, tu dis, pardon à Dieu, donne-moi une voiture.
Dieu va te donner une voiture. Si c'est dans sa volonté, Dieu donne une maison, tu vas te donner une maison. Mais tu es dans le péché. Tu es mauvais, ton cœur noir comme du ciment noir. Et puis toi aussi tu viens. Dès qu'il y a des apparitions d'images ou de Marie, si tu es là, tu viens. C'est la Marie. Je suis en bois de nuit, mais c'est pas mon frère. Mon ami, tu te fatigues toi-même. Ouais. Tu te trompes toi-même. Même les démons sont au courant de cela. Et ils se moquent de toi. Parce qu'ils se disent que voilà. Tu refuses la parole de Dieu, mais tu cherches la bénédiction, tu cherches un miracle venant de Dieu. Tu refuses d'être sur le bon chemin, mais tu veux vraiment que Dieu te regarde et qu'il pose sa main sur toi. C'est quelle hypocrisie ça? C'est quelle hypocrisie ça? Tchè! Mes frères et sœurs, moi je vous dis ce que j'en pense. Je n'y crois pas. La Marie dont vous parlez là, effectivement, elle était vierge avant d'avoir le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu, non? Mais elle n'est plus restée vierge après. Hein? Elle n'est plus restée vierge après. Hein? Après ça, elle a d'autres enfants. Et elle est décédée comme nous tous, on va partir un jour. Et depuis qu'elle est partie, elle allait là où elle doit partir, selon ce que Dieu a prévu. Hein? Et elle-même se cherche, elle continue son chemin. Si elle était de manger de la bonne nourriture, elle était de manger de la bonne nourriture, ça rentre dans son pauvre ventre. Quand vous êtes sur la terre ici, en train de faire les cultes mariales, là, elle est en train de vous regarder, elle se dit, mais de quel mari parlez-vous? Et si les gens adoraient en réalité la reine du ciel? Si c'était un démon qui a décidé de venir prendre la place de Jean-Marie? Parce que il y a des choses qui se passent, il y a des changements que le diable a apportés dans l'église. On sait que dans la Bible, il y a un ange qui s'appelle Michael. Et les gens ont décidé de transformer les choses, ils ont ajouté quoi à côté? Ils ont ajouté Saint-Michael. Saint-Michael. Il y a un autre ange qui s'appelle Gabriel, le messager de Dieu. Les gens ont transformé ça et ils ont ajouté Saint-Gabriel à côté. Ça aussi, il y a des cas. Ça aussi, c'est un grand problème. Tous les anges, où vous allez voir Saint-Ange, Saint-Jean, Saint-Gabriel, Saint-Joseph, c'est même pas quoi là. Alors que normalement, ces gens s'appellent Gabriel simplement, ben Michael simplement. Tous les saints que vous allez voir derrière les noms des anges qui vont attribuer dans certaines églises et autres, là, sachez que c'est une contrefaçon. C'est du fake. C'est de la mamaille. Il y a le diable derrière cet ange-là. Effectivement, il s'appelle Saint Michael. Mais ce n'est pas le Michael de Dieu, l'ange puissant de Dieu qui s'appelle Michael. Ce n'est pas lui. Effectivement, cet ange que vous voyez là, il s'appelle Saint Gabriel aussi. Mais ce n'est pas le Gabriel, l'ange de Dieu. Hein? C'est l'ange du démon. C'est-à-dire que le diable, il imite tellement Dieu que pour pouvoir avoir les gens, il fait les trucs comme ça pour tromper. C'est juste pour vous tromper. Et vous allez voir que de ces genres de situations, vous allez voir plein de sorciers là-bas comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les sorciers vont se cacher là-bas et ils font croire aux gens qu'eux aussi vont à l'église. Ouais, qu'eux aussi ils sont chrétiens. Et qu'ils sont baptisés, confirmés. Tu es baptisé et puis quoi? Ah, mais les signes ou quoi? Un sorcier qui me dit que lui, il est baptisé, il est confirmé, aromatisé et cimenté par le Saint-Esprit. Pas même quoi? Et il vient me rejoindre ici, dans la boîte de nuit, ici, en train de boire une bière. Ce sont des endroits où tout est permis. On peut vivre la vie d'impudicité et puis personne ne parle. On se dit, oh, c'est normal. Mais mes frères et sœurs, je vais vous dire, connaissez. Ouais. Celui qui a le Saint-Esprit va comprendre ce que je viens de vous dire, va savoir que c'est vrai. Maintenant, celui qui est un sorcier qui fait semblant à l'église, il va dire, oh, c'est une histoire. C'est là le grand voisin qui serait sorcier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi, je ne vous condamne pas. Hein. Moi, je ne vous condamne pas. Je ne vous dis, juge pas.
Je dis tout simplement ce qui me vient du cœur et ce que je pense que c'est vrai. Nous ne devons pas nous fier aux détails, nous devons aller à la source. Nous devons juste aller prier Dieu et obéir à la parole de Dieu. Dieu dit ne pêche pas mon frère, ne pêche pas ma soeur. Dieu dit ne cherche pas la femme de nos maris, ne va pas chercher la femme. Dieu dit ne cherche pas le mari de ta soeur. Ma soeur, ne cherche pas le mari là-haut, ne cherche pas le mari d'autrui. C'est ça, c'est là que Dieu t'attend. Si tu obéis à ce que Dieu te dit là, il va exaucer ta prière. Si tu n'obéis pas, tu n'auras rien. Tu n'auras rien de chez rien. C'est conseil. C'est pas une histoire d'aller s'asseoir devant la statue. Moi, je vous ai dit ce que je pense. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi, laissez les chefs. Là, je vous attends. C'est parti. Wow, c'est extraordinaire. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir, bien sûr, abonnez-vous à cette troisième chaîne. Dans la description se trouve un lien où vous pouvez télécharger les informations bancaires. Que Dieu bénisse vos soeurs. Prenez soin de vous.